Salut, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Ton sèche-linge est tombé en panne à toi aussi? Ah! Ben ça tombe bien parce que j'allais démonter le mien, il est tombé en panne. Il y a plus rien, il s'allume plus, je sais pas ce qu'il a. Ben, si tu veux, on va essayer de regarder ensemble. On va peut-être arriver à trouver la panne à tous les deux. Allez, c'est parti, on va essayer de se regarder ça. Bon, attends 2 secondes, parce qu'avant de tout démonter, déjà, je vais regarder que le problème vienne pas de ma prise. Moi, de toute façon, là, j'ai pris mon chargeur là, de ma visseuse-dévisseuse, il y a une petite LED dessus. Je vais le brancher, hein. Je vais voir si ça s'allume. Ah, ben tu vois, la LED s'allume. Donc déjà, ça vient pas de ma prise ni de ma rallonge. Bon, on va regarder d'où ça peut venir. Toi, t'as dû regarder la vidéo sur la réparation du lave-vaisselle, là, pour 2 €, là. C'est comme ça que tu m'as retrouvé, ou quoi? Allez. Bon, regarde, tu vois, t'as ton capot dessus, on va essayer de voir un peu plus loin. Donc je vais sortir, je vois qu'il y a 3 vis ici, je vais les sortir. On va commencer par ça, déjà. On va ouvrir la bête. Alors, dès que je sors mes vis, il va te falloir un tournevis Torx pour pouvoir démonter les vis. C'est ça le Torx, si tu connais pas. Tu vois, c'est avec une étoile comme ça. Voilà, il va te falloir un tournevis comme ça si tu veux sortir tes 3 vis. Là. Bon, et tu vois, des fois les réparations, hein, c'est juste des conneries. Tu es obligé de jeter ton électroménager. Des fois, ça te fait faire des économies. Et en plus, des fois, c'est pas grand chose. Allez, on va regarder en suivant. Donc là, je vais ouvrir, je lève derrière, tac, et je pousse vers l'avant. Allez. Là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, oh mon Dieu, il y a des câbles partout, comment on va faire? Ben, on va procéder par étapes. Hein. Donc, tu as ton cordon d'alimentation, tu vas brancher à ta rallonge ou sur ta prise murale. Déjà, on va regarder où il va. Alors là, c'est bon, mon appareil, il n'est pas branché sur le courant, parce que moi, je suis pas trop un fan de l'électricité. Hein. Tu sais, je suis pas réparateur à la base. Hein. Moi, j'essaie juste de te filer un coup de main, comme ça, je répare le mien en même temps. Donc là, t'as cette pièce-là, t'as le courant qui arrive dessus. Je crois qu'ils appellent ça l'antiparasite. Bon, je vais essayer de le sortir, moi. Mais je pense que t'es pas obligé de le démonter. Et après, il va falloir que t'attrapes ton multimètre. Bon, moi, j'ai le mien, sinon on fera avec le mien, t'embête pas. Tu connais pas? Ok, bon, je vais te montrer vite fait sur quelle position faut le mettre. Allez, je vais regarder ça vite fait. Donc, tu vois, je l'ai démonté, là. Ici, là, tu avais le fil bleu qui arrivait dessus. Le fil marron, donc les fils de ma prise de secteur, hein. Des masses ici, bon, de toute façon tu as le dessin dessus de la terre, hein, ici, et là tu avais 2 fiches violettes, donc je sais pas, on va regarder. On va tester déjà si le jus il arrive bien jusqu'à, si le courant arrive bien jusqu'à ma prise. Ben, je récupère le fil marron et le fil bleu. Ouais, donc là on va prendre le multimètre pour tester. Donc j'appuie sur on. Courant alternatif. Alors c'est juste là. Okay, je vais te le montrer. Je mets dessus. Tu vois. C'est juste là, là. Donc moi je l'ai mis sur 700. Parce que bien sûr il y a un peu plus de 200 volts. Il y a 230 volts normalement à peu près. Donc j'ai mis sur 700 au-dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais mettre mes aiguilles. Hop là, mes aiguilles sur la cosse bleue et sur la cosse marron à l'intérieur, hein, je les place directement. Tu vois, comme ceci. Et là, on va voir, je vais rebrancher sur le secteur. Et on va voir ce qui se passe. Ah ben tu vois, là il y a le courant qui arrive. Donc déjà c'est pas un problème au niveau de ma prise. Donc je redébranche. Donc tu vois là j'ai remonté l'antiparasite. Donc le courant il arrive bien jusque là. Mon appareil est toujours débranché dessus sur la prise du secteur. Donc je vois que le courant arrive là et repart par ce fil violet là. Ici là, et va jusqu'à ma carte de commande. Donc ils reviennent jusqu'ici là au premier, jusqu'au boîtier de commande. Donc on voit parce qu'ils sont plus épais que les 2 autres violets qu'il y a à côté. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben pareil, je vais tester, voir si l'alimentation électrique arrive bien jusque là. Donc je reprends mon multimètre. Donc
J'ai rebranché les aiguilles de mon multimètre au niveau de l'alimentation, donc qui partait de l'antiparasite jusqu'à la carte de commande. Et là, si je regarde, je vois que l'alimentation arrive bien jusque là. Bon, je vais essayer de démonter la face avant. Attends, on va faire ça avant de faire des bêtises. Sortir les deux vis, il y en a une de chaque côté. Je vais me prendre une petite photo. Tu sais où sont branchés les câbles, comme ça je pourrais pas me tromper après. Allez, maintenant je vais débrancher mes connectiques du coup. Bon, tu vois, j'ai débranché tous les fils qu'il y avait dessus là. Heureusement que j'ai pris une photo, je te le dis. Bon, après ici t'as la carte. Bon, je vais tester quand même ma sécurité de porte là. Tu vois, quand tu ouvres la porte là, t'as un petit téton là qui vient. Tac, quand tu fermes, ça appuie sur ce contacteur là. On va tester, si ça se trouve c'est juste ça. Tu vas voir comment on va tester. Donc je le mets sur cette position ici. Ok, donc je l'allume. Et quand je touche mes deux aiguilles, tu vois, il y a un signal sonore. Donc on va voir. Hein. Si j'ouvre la porte, ben normalement là, ça doit pas laisser passer le courant, donc ça doit pas sonner. C'est ça, il n'y a rien qui se passe. Par contre, si je ferme la porte, là, logiquement, ça doit sonner quand même. Tu es d'accord avec moi? Tu vois, ben c'est bon, c'est pas le contacteur qui est mort. Ouais, parce que si ça avait été le contacteur de porte, ça m'aurait peut-être juste mis un code d'erreur. On va regarder la carte. Bon, là, je vois rien d'anormal. On va essayer de la sortir. Ah bah, tu vois, il y a des petits clips sur le côté. Je pense que ça doit te permettre de sortir la carte complète. Ah, tu vois, ça commence à venir. Bah là, tu vois pas grand-chose, hein. Donc, ton alimentation, elle arrive bien jusque-là. Mais après, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Je me dis que si l'alimentation arrive jusqu'à ma carte de commande, mais que mon sèche-linge s'allume pas, c'est que c'est la carte de commande. Bon, là, je vois pas spécialement de point de chauffe. Bah, de toute façon, pour moi, ça doit être la carte de commande. Allez, je vais la commander. Et puis, on va attendre de la recevoir pour pouvoir voir si c'était ça, la panne. Avant de partir à l'ordinateur, je vais prendre une photo quand même, des références de l'appareil et du modèle. Donc attends, il va falloir retrouver la pièce D. Donc là maintenant on va chercher la carte. Donc là t'as un site, ADEPEM. Alors, je vais taper, j'avais pris une photo de mon appareil tout à l'heure. Et bien là voilà ma carte. Et bien c'est bon, allez, on commande. Bon, c'est bon, on a trouvé la carte, on l'a reçue là, c'est bon, on va pouvoir la remonter du coup, on va pouvoir voir si c'était ça la panne. Bon, on va essayer de repositionner tout ça. Bon, là on l'a remis en place, hein. Ben, on va essayer. Bon, bah ben, c'est le moment ultime de toute réparation, hein. Voir si ça fonctionne. Je vais le brancher sur le secteur. Maintenant que j'ai rebranché ma carte. Bah heureusement que j'avais pris une photo quand même avant et j'ai remis mon panneau devant là avec les deux vis. On va essayer. Verdict. Et voilà. Allez, on va essayer. Et bien cette vidéo est maintenant terminée. Bon, j'ai deux sensations là, deux sensations agréables. La première, c'est d'avoir réussi à réparer mon sèche-linge moi-même alors que j'en avais jamais touché avant. Je ne connaissais pas du tout le fonctionnement. Et en fait, si on travaille par logique, ça reste quand même assez simple. Ma deuxième satisfaction, c'est que cette machine ne partira pas à la déchetterie. Donc je fais un geste aussi pour la planète. Et la troisième, je fais des économies aussi, ce qui n'est pas négligeable. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à réparer le tien. Surtout, n'oublie pas le petit pouce j'aime. Merci de t'abonner à ma chaîne. Tu sais, c'est le petit rectangle rouge en haut à droite. C'est gratuit, ça ne te coûte rien. Ça te permettra juste de retrouver mes vidéos beaucoup plus facilement. Je te souhaite une agréable journée, un bon confinement. Même si c'est pas toujours évident, c'est vrai que c'est un peu long, même pour moi. Fais attention à toi et à tes proches. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, bon courage à toi. Kenavo.